America. Ce soir, je suis avec Xavier Capdevielle, le président de l'Union des Français de l'étranger pour la Floride. Xavier Capdevielle, bonjour. Alors, parlez-nous un petit peu de l'Union des Français de l'étranger en Floride. Bonsoir. Bonsoir. C'est gentil d'être là avant tout. L'Union des Français de l'étranger en Floride a été créée en 1980. Et ça faisait quelques années que nous n'étions pas très actifs et nous avons décidé de la réactiver avec toute une sympathique bande. On casse tout en cuisine, c'est pas grave. Avec une sympathique bande de Français qui sont des référents de leur communauté. Nous avons déjà six délégations en Floride, donc Miami ici, qui est dirigée par Roger Pardo et par Eric Evert. Et nous sommes déjà 200 membres et tout le monde est appelé à venir adhérer à l'UFE. Plus nous serons nombreux, plus nous ferons écouter notre voix, car le but de l'UFE, justement, est de faire porter aux autorités françaises la voix des Français de l'étranger. Okay, donc, quelle est la première mission de l'UFE ? Bon, nous avons plusieurs missions. D'ailleurs, nous avons une mission d'accueil des Français qui viennent ici, bien entendu. Nous avons une mission de convivialité. Nous avons une mission de service des Français, surtout en France. C'est-à-dire, lorsque les Français sont à l'étranger ici, ils ont des problèmes avec leur retraite, ils ont des problèmes avec un divorce, avec une succession qui se passe mal en France. Ils sont un peu démunis par rapport... ils n'ont pas d'avocat là-bas, forcément, etc. Et nous provoyons tout ce genre de service à l'UFE, avec des professionnels, à des tarifs défiant toute concurrence. Et puis, surtout, nous avons une mission politique. Nous sommes apolitiques. Nous avons une mission politique pour défendre les intérêts des Français étrangers vis-à-vis de l'administration française. Donc nous appuyons les parlementaires, nous informons les parlementaires et leur demandons de faire passer les lois qui protègent les Français étrangers, entre autres la double imposition, bien entendu les problèmes de retraite, les problèmes d'éducation surtout ici à Miami. Voilà un petit peu ce que fait l'UFE. D'accord, très bien. Donc, l'UFE a une grosse... la grosse mission de l'UFE, c'est d'informer, je dirais, les hommes politiques des problèmes que peuvent avoir les expatriés français sur le territoire américain. Absolument, et dans le monde entier, parce que l'UFE, on est dans le monde entier. Et nous avons donc des parlementaires qui sont membres de l'UFE qui nous aident dans cette direction-là, et avec succès. D'accord. Bon, croisons les doigts alors. Voilà. Nous sommes au SEMIA. Quel est le but de cette soirée et pourquoi ici ? Alors voilà, nous avons donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons donc une mission de convivialité. Et ce que nous faisons, c'est faire du réseautage. J'aime pas beaucoup ce mot-là, networking, c'est très américain. Mais enfin bon, c'est surtout la convivialité de nous retrouver entre Français, informellement, autour d'une table, avec donc un grand cocktail, si vous voulez. Et aujourd'hui, donc c'est notre premier dîner depuis le renouveau de l'UFE en Floride. Et ici à Miami, ce soir, nous sommes plus de 60-70 personnes, je crois, au dernier compte, pour dîner ici. Et donc, je vous invite tous à venir. Ce n'est pas seulement réservé aux adhérents. Bien entendu, les adhérents sont les bienvenus et les Français sont invités à adhérer, bien entendu. Mais on est ouvert à tous les Français, les francophones et les amis de la France. Okay. Donc, si je ne suis pas adhérent et que je veux adhérer, quelle est la démarche ? Ben, vous êtes là, donc vous avez fait la bonne démarche. C'est la seule affaire. Vous venez et si ça vous plaît, on vous demande gentiment d'adhérer sans aucune pression. C'est simplement comme un vœu, un gentil vœu, un wishful thinking. Alors, est-ce que vous prévoyez de faire ce genre de réunion régulièrement ? Est-ce qu'il y en aura une par mois,
Voilà, exactement. Ici à Miami, on vise à en faire une par mois, une peut-être tous les deux mois, mais au minimum 6 par an, peut-être 8. On va tourner, effectivement, on fera ça aujourd'hui à Sémillac, qui est de chez notre ami Frédéric, qui nous invite ici, bien entendu. Mais sinon, on va faire ça sans doute à Downtown, sans doute un petit peu dans le sud. On va tourner un petit peu. Le prochain, par exemple, c'est mercredi prochain, c'est Orlando, où je serai aussi. Vous voyez, on tourne dans toute la Floride. Mais si on sur Miami, l'idée, c'est d'en faire un mensuel. Voilà. Alors, quel est le menu pour ce soir? Vous le connaissez? Je ne le connais pas, mais je l'ai approuvé. J'ai honte de le dire, mais... On va dire cochonaille à la française avec un petit vin rouge. Voilà, absolument, absolument, absolument. Merci Xavier. Je vous en prie, merci de venir. Voilà, c'était Xavier donc pour l'Union des Français à l'étranger, pour plus spécifiquement pour la Floride. Merci Xavier, bonne soirée. Les aider et les défendre face à l'administration qui est malheureusement souvent est un peu la même partout d'ailleurs. Donc on essaie de faire ce qu'on peut. N'hésitez pas à nous envoyer des gens qui ont des questions. On est là pour y répondre et on est là pour vous aider. Passez une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas d'adhérer. Voilà, au revoir.